Approchez-vous, Inch'Allah. Partage. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنستمر بإذن الله تعالى في قراءة كتاب العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وهو كتاب المسمى بشرح حديث جبريل في تعليم الدين وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أركان الإسلام تكلمنا عن الشهادتين وعن الصلاة وأهميتها وعن وجوب أدائها مع الجماعة للرجال وذكرنا كذلك بعض الأشياء المتعلقة بالصوم والحج يقول المؤلف قوله قال أي جبريل فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc nous continuons dans la lecture de l'explication du hadith de Jibril alayhi salam. La semaine dernière, nous avions parlé des cinq piliers de l'islam. Nous avions expliqué entre autres la signification des deux attestations. La première, qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Et la deuxième, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. De même que nous avons expliqué l'importance de la prière, entre autres, plus précisément, la prière en groupe. Et nous avons démontré qu'elle était obligatoire pour les hommes. Nous avons aussi profité de l'occasion pour parler de la prière de la peur. De même que nous avions traité de façon brève le jeûne du Ramadan, de même que le pèlerinage. Donc, nous continuons le hadith de Jibril. Jibril, alayhi salam, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur la foi, sur l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement dernier, de croire et d'avoir la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Jibril alayhi salam lui dit, tu as dit vrai. Puis il lui demanda la troisième question et lui dit, informe-moi sur la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi salam lui répondit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. يقول الشيخ فيه فوائد الفائدة الأولى هذا الجواب
مشتمل على أركان الإيمان الستة، وهو أول هذه الأركان. وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس للإيمان بكل ما يجب الإيمان به. ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل، ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut tirer de la partie du hadith que j'ai lu. La première, c'est que la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient les six piliers de la foi. De croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les six piliers de la foi. Et elles sont citées l'une après l'autre dans ce hadith. Et le premier de ces piliers, c'est la foi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala est la base de toute chose auquel on doit croire. La base de toute chose, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ses anges, aux anges de qui? De Allah. En ses livres, aux livres de qui? De Allah. Et en ses envoyés, aux envoyés de qui? De Allah. Donc vous voyez que déjà, les quatre premiers piliers qui viennent, ils retournent tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala ne croit pas aux autres piliers. Celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et bien il ne croit pas automatiquement aux autres piliers. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, c'est de croire en son existence, en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa rububiyyatihi, en sa seigneurie, et on va expliquer inchallah après les termes, wa uluhiyyatihi, c'est-à-dire que c'est le seul qui mérite d'être adoré. De même que de croire en Allah signifie également de croire en ses noms qui sont les plus beaux et en ses attributs qui sont les plus parfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala est doté de toutes les perfections qui sont propres à lui. Et il est exempt de tout, il est exempt de tout défaut et de tout rabaissement. Nous devons donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala et l'unifier dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Wa tawhid ar-rububiyyah huwa al-iqrar bi annahu wahid fi af'alihi la sharika lahu fiha kal-khalq wal-razq wal-ihya' wal-imata wa tadbir al-umur wat-tasarruf fi al-kawn wa ghayri dhalika mimma yata'allaqu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est-à-dire, c'est d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à accomplir ses actes. Personne ne lui est associé dans ce fait. Et les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, la création. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a la possibilité de créer. Et personne ne peut le faire autre que lui. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui donne la pourvoyance, la subsistance. C'est le seul qui donne aux gens, aux animaux, à la flore, aux arbres, etc. C'est le seul qui est capable de leur donner à boire, de leur donner à manger, de leur donner les biens, etc. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui est capable de donner la vie, et il est le seul qui est capable de donner la mort. De même que de croire et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie,
Cela signifie également de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain et il régit toute la création et tout le monde et tout l'univers. Le seul qui contrôle et qui dirige l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا Et de même que croire en Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire que toute adoration que l'on fait, elle doit être exclusivement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici le cheikh donne des exemples comme l'invocation. Celui qui veut invoquer, qui n'invoque que Allah subhanahu wa ta'ala. La peur. Tu ne dois avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, on expliquera dans des cours prochains en détail ce que signifie l'adoration et l'adoration qui doit être exclusivement dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ici, par exemple, la peur, quand on dit que on ne doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas le droit d'avoir peur d'un lion, par exemple? Un lion qui vient, qui se dirige vers toi, en courant, avec la bouche ouverte. Il est prêt à te dévorer, tu n'auras pas peur. C'est la nature même de l'être humain d'avoir peur des bêtes féroces et autres. Celle-ci, c'est une peur naturelle. Les savants l'appellent la peur naturelle. La peur naturelle, elle n'entre pas dans le cadre de l'adoration. Elle est propre à l'être humain et aux autres créatures. Donc le fait d'avoir peur d'un lion, d'une bête féroce ou d'autre chose qui rentre dans la nature humaine, cela, on peut avoir peur de ces choses-là. Il est autorisé d'avoir peur de ces choses-là. Inch'Allah, on expliquera dans des cours prochains les différentes sortes d'adoration avec précision. De même que l'espérance, tu ne dois espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, concernant la demande de l'aide, al-isti'ana, tu ne dois demander d'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, il y a des précisions à apporter. L'aide, les savants ont expliqué, tu n'as pas le droit de demander une aide qu'aucune personne ne peut apporter sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes une aide que quelqu'un peut t'apporter, tu as le droit de la demander à cette personne. Mais de demander à une personne une aide et toi tu sais qu'elle ne pourra pas t'apporter cette aide, que cette aide-là que tu veux ou que tu espères, aucun être humain sur terre ne peut te l'apporter, et que tu le demandes, là tu rentres dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. Donc, tu as le droit de demander aux gens ce qu'ils peuvent t'apporter comme aide. Ce qu'ils ne peuvent pas t'apporter, tu n'as pas le droit de leur demander. De même, la protection. Tu n'as le droit de demander la protection à personne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou à l'espirata, le secours. Le secours aussi. Il y a encore des précisions. Tu as le droit de demander le secours à une personne qui peut t'apporter ce secours-là. Supposons que tu es en pleine mer, en train de couler. Personne ne t'entend, tu es le seul. Tu es en train de couler. Et tu dis, « Oh maman, oh maman, oh maman. » Là, on a dit, tu as fait. Tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un. Tu es en pleine mer, en train de couler. Ta mère est à des milliers de kilomètres de toi. Pourquoi est-ce que tu l'appelles? Tu sais que ta mère ne pourra pas t'apporter de l'aide. Elle ne pourra pas te sauver. D'accord? Dans ces cas-là,
tu ne dois demander le secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de dire oh maman, tu dois dire oh Allah. D'accord? Supposons que tu es chez toi et qu'il t'arrive quelque chose et que par exemple ton frère n'est pas loin, tu peux l'appeler. Pourquoi? Parce que tu sais que ton frère n'est pas loin et qu'il peut venir te secourir sur le malheur qui t'arrive. De même qu'égorger, tu ne dois égorger que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire un vœu, tu ne dois faire de vœux que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes sortes d'adorations qu'on expliquera inchallah dans des cours prochains. Donc toute adoration, quand on dit adoration, c'est pas seulement faire la prière, faire le jeûne, faire le hajj. Non, c'est pas faire la sadaqa, c'est pas que ça l'adoration. L'adoration, les savants ont donné la définition et ont dit ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. L'adoration, c'est un terme global qui englobe tout acte, que ce soit un acte ou une parole, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tout acte, que ce soit un fait ou une parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, que ce soit un acte ou une parole intérieure ou extérieure, ça s'appelle une adoration. Et toute adoration doit être faite que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple, l'espérance. L'espérance, espérer quelque chose, tu dois l'espérer que dans Allah subhanahu wa ta'ala. L'espérance, c'est un acte intérieur, c'est pas quelque chose que l'on voit. Quand tu espères quelque chose, on ne sait pas que tu espères, c'est à l'intérieur de toi. D'accord? Par exemple, al-zabh, le fait d'égorger. Le fait d'égorger, c'est un acte extérieur, on le voit. D'accord? Par exemple, al-isti'adha, c'est la protection. Tu demandes la protection, ça c'est une parole. C'est une parole que on peut entendre quand tu dis a'oudhu billah, je demande la protection d'Allah. Donc, vous appliquez si vous appliquez cette règle-là, vous verrez que le terme adoration est très vaste. Et les adorations ne doivent être dédiées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne doivent pas être dédiées à un ange, même si c'est un ange rapproché, ou même un envoyé ou un prophète. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل وتنزيهه عن كل ما لا يليق به كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه فالإثبات في قوله وهو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. Et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala veut dire également de croire et de l'unifier dans ses noms et ses attributs. C'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est attribué à lui-même, ou lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nom et comme attribut, sans demander comment, ni de faire des métaphores, ni falsifier, ni interpréter, ni nier. وتنزيهه عن كل ما لا يليق به également c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute caractéristique qui
n'est pas compatible avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, selon le sens, rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Dans ce verset, il y a à la fois une affirmation et une négation. Il y a l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, et voit tout. Et de même que dans ce verset, Allah a dit selon le sens, rien ne lui ressemble. Là, il y a une négation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala entend, mais il n'entend pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala voit, mais il ne voit pas comme ses créatures. Et nous devons faire de même avec tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour donner un exemple, sur les règles que le cheikh a citées, ne pas dire comment. Par exemple, il a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna que Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. D'accord ? Donc la première règle que l'on applique, on n'a pas le droit de dire comment. C'est interdit. On n'a pas le droit de dire comment sont les mains d'Allah. C'est interdit. L'imam Malik, rahimahullah, fut questionné sur l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Et la question était, Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Comment est-ce que l'on en comprend ? L'imam Malik rahimahullah a répondu, al-istiwa au ma'loum, le fait de s'établir, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône, c'est une chose qui est connue. والكيف مجهول, le comment est inconnu. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône, personne ne connaît. والسؤال عنه بدعة, et le fait de demander le comment est une innovation. Et l'imam Malik rahimahullah, dans son assise, a ordonné que l'on sorte cet homme-là qui a posé la question, qu'il soit sorti de l'assise, qu'il soit expulsé de la crise, pour montrer à quel point il est grave de demander le comment concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il est interdit de faire une métaphore, de dire par exemple la main d'Allah est comme la main d'une autre créature, de faire une comparaison, c'est interdit. Il est interdit aussi de falsifier, de dire par exemple non, c'est pas la main qui est citée dans le Coran, c'est autre chose. Donc là, c'est carrément de la falsification. Ou bien alors d'interpréter, de dire non, les mains qui sont citées dans le Coran, ça veut dire la force, par exemple. Ça veut dire la force, ça ne veut pas dire les mains. Pourquoi ? Parce que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas aux créatures. Mais nous, on est d'accord. On le dit, Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Rien ne lui ressemble. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Wa huwa as-sami'ul basir. Mais il entend tout et il voit tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a attribué à lui-même la vue et l'ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend et il voit, mais il n'entend. Il voit, mais pas comme ses créatures. Et il entend, mais pas comme ses créatures. Le comment, Allah ta'ala, personne ne le connaît, sauf lui, Azza wa Jal. Et ces règles-là s'appliquent dans tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha at-taqsim li anwa' at-tawhid 'urifa bil istiqra' min nusus al-kitab wa as-sunnah wa yattadih dhalika fi awwal suratin fi al-Qur'an wa akhir surah. فإن كل منهما مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. Et le fait de
de diviser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en trois, parce qu'on a dit qu'il y a l'unicité de la seigneurie, il y a l'unicité de l'adoration, et il y a l'unicité des noms et des attributs. Mais si on demande, d'accord, mais c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est divisée en trois? La preuve, elle se trouve... déjà le cheikh dit que la preuve c'est l'induction, c'est le fait que les savants, après avoir étudié le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ont déduit ces trois choses. Et il dit aussi qu'il y a, pour exprimer la chose et pour bien expliquer, il prend deux exemples. Le premier, c'est la première sourate du Coran, Al-Fatiha, et le deuxième exemple, c'est la dernière sourate du Coran, qui est sourate An-Nas. Et Shir dit que ces deux sourates comprennent et contiennent ces trois sortes de tawhid. Tawhid de la seigneurie, tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration, tawhid al-Asma wa Sifat, l'unicité des noms et attributs. فَأَمَّا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّ الْآيَةَ الْأُولَى فِيهَا وَهِيَا الحمد لله رب العالمين مشتملة على هذه الأنواع فإن الحمد لله فيها توحيد الألوهية لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة وفي قوله رب العالمين إثبات توحيد الربوبية وهو كون الله عز وجل رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق والله الخالق وكل من سواه مخلوق ومن أسماء الله الرب وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية. Concernant sourate al-Fatiha, le premier verset est: la louange doit être faite à Allah, le Seigneur des mondes. Cette phrase comporte les trois parties du tawhid, les trois parties de l'unicité. Alhamdulillah, la louange, elle est dans le mushaf, on voit qu'elle est traduite, la louange appartient à Allah. Mais c'est pas une traduction précise. Parce que la louange appartient à Allah, c'est pas le sens qui en ressort en arabe. En arabe, c'est plus: la louange doit être faite à Allah. La louange doit être dédiée à Allah. On ne doit louer que Allah. Alors que quand on dit la louange appartient à Allah, on n'a pas ce sens que le serviteur d'Allah, l'être humain, doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et lui seul. Dans Alhamdulillah, la louange doit être faite à Allah, il y a l'unicité de l'adoration. Alhamdulillah. Tu dois remercier et tu dois louer qui? Allah. Allah seul, sans ne lui associer personne. لِأَنَّ إِضَافَةَ الْحَمْدِ إِلَيْهِ مِنَ الْعِبَادِ عِبَادَةِ. Car la louange est une adoration. Et dans sa parole, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, le Seigneur des mondes. Il y a là la preuve de l'unicité de la seigneurie. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'unicité de la seigneurie, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui donne la vie, qui donne la mort, et entre autres on a dit que c'était le seul qui dirige le monde. C'est le seigneur des mondes. Donc là, on retrouve l'unicité de la seigneurie. وَهُوَ كَوْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et les mondes, les savants ont expliqué en arabe, Al-Alamun, c'est tout ce qui est autre qu'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah, en arabe, ça s'appelle Alam. On peut dire que c'est un signe. C'est un signe. Tout ce qui est autre qu'Allah est un signe d'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah est une créature d'Allah, donc automatiquement est un signe
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a dans l'existence, il n'y a que créature et créateur. Il n'y a que créature et créateur. Toute chose que tu vois sur cette terre est créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Et tout ce qui est autre qu'Allah est créature. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ar-Rabb. Ar-Rabb est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ar-Rahman ar-Rahim mushtamilun ala tawhid al-asma'i was-sifat. Wal-Rahman war-Rahim ismani min asma'illah yadullani ala sifatin min sifatillah wa hiya ar-Rahmah. Wa asma'ullahi kulluha mushtaqqah wa laysa fiha ismun jamid. وكل اسم من الأسماء يدل على صفة من صفاته. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, cela prouve l'unicité des noms et attributs. Car Ar-Rahman et Ar-Rahim sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces deux noms prouve, ou de ces deux noms on en découle un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la miséricorde. Il n'y a aucun nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dont ne découle rien. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il en découle automatiquement un attribut. Quand par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms c'est Al-Ghafur, l'attribut qui en découle, c'est le maghfira, le pardon. Et tu fais de même avec tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ici, l'exemple que j'ai récité, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ont toujours une signification et il en découle un attribut, l'attribut qui découle de ces deux noms-là, c'est la miséricorde. De tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il découle un attribut. Wa malik yawmiddin fihi ithbat tawhid ar-rububiyyah wa huwa subhanahu wa ta'ala malik ad-dunya wal akhirah wa innama khussa yawmuddin bi anna Allah malikuh li'anna dhalika al-yawm yaqda'u fihi al-jami' li rabbil 'alamin bi khilaf ad-dunya فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى. Et le Seigneur du jour de la rétribution c'est la récompense en bien ou en mal. Le mot din ici dans Al-Fatiha, ça signifie pas la religion, ça signifie la rétribution, la récompense en bien ou en mal. Le jour de la récompense. Et quand la récompense est toujours connotée en bien, le terme le plus approprié c'est rétribution. Car rétribution, on peut rétribuer quelqu'un en bien et en mal. Dans le Seigneur du jour de la rétribution, on retrouve l'unicité de la Seigneurie. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur et est le Seigneur de ce jour, du jour du jugement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est à la fois le Seigneur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est le Seigneur de cette vie et c'est le Seigneur de l'au-delà. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise Malik yawmiddin, le Seigneur du jour du jugement ou de la rétribution, ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur de ce jour-là seulement. Non. C'est le Seigneur de ce jour et également c'est le Seigneur dans cette terre et dans l'au-delà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a précisé qu'il était le Seigneur du jour du jugement ou du jour de la rétribution parce que ce jour-là, tout le monde sera soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sera rabaissé devant le Seigneur des mondes. Contrairement à la vie d'ici-bas, il y a des personnes ici
sur cette terre, dans cette vie d'ici-bas, qui s'enorgueillent, qui sont fiers, qui croient être le gouverneur suprême de cette terre. Il y en a même, comme le dit le Cheikh, qui ont dit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Il y en a dans cette terre, dans cette vie d'ici-bas, qui ont dit « Ana rabbukumul a'la ». Qui a dit ça? Une question que je vous pose. Qui a dit « Ana rabbukumul a'la » Pharaon. Pharaon. Qui dit à son peuple « Ana rabbukumul a'la ». Je suis votre Seigneur le Très-Haut. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إثبات توحيد الألوهية وتقديم المفعول وهو إياك يفيد الحصر والمعنى نقصك بالعبادة والاستعانة ولا نشرك بك ولا نشرك معك أحدا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons l'aide. Il y a dans ce verset la preuve de quelle partie de l'unicité il y a la preuve dans ce verset. De l'adoration. L'unicité de l'adoration, car Allah dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons l'aide. Mais on avait déjà vu avant que demander l'aide, c'est une adoration. Donc là, il y a la preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le Cheikh donne une précision. Par exemple, dans ce verset, le COD a été précédé. On a d'abord dit le COD avant le. Comme par exemple, lorsque l'on dit nous adorons Allah. Et lorsque l'on dit c'est Allah que nous adorons. Il y a une différence entre les deux. La phrase normale, c'est « Nous adorons Allah ». Mais lorsque l'on met Allah au début de la phrase, lorsque l'on dit « C'est Allah que nous adorons », d'accord ? Eh bien, cela prouve que, avec plus de force, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre que l'on doit adorer. Est-ce que vous voyez la différence ou pas ? Lorsque l'on dit « Nous adorons Allah », et lorsque l'on dit « c'est Allah que nous adorons », on voit bien que dans la deuxième phrase, on ressent plus le fait que c'est Allah et personne d'autre qui doit être adoré. Et bien en arabe, c'est la même chose. Au lieu de dire « na'budullah », on dit « iyyaka na'bud ». Au lieu de dire « nous adorons Allah », on dit « c'est Allah que nous adorons ». Pour montrer, avec plus de force, que c'est Allah et personne d'autre qui doit être adoré. وقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه إثبات توحيد الألوهية فإن طلب الهداية من الله دعاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فيسأل العبد ربه في هذا الدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين هم أهل التوحيد ويسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين لم يحصل منهم التوحيد بل حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه. السلام. Et Allah dit selon le sens, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés et non de ceux envers qui tu es énervé ou envers qui tu as le courroux et ceux que tu as égarés. Il y a dans ce verset l'unicité de l'adoration. Car le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, c'est une invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique,
l'invocation, c'est l'adoration. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas comprendre de ce hadith que l'adoration, c'est seulement l'invocation. Non. C'est comme le hadith du prophète Hassan qui dit « Al-Hajj Arafah ». Le pèlerinage, c'est de faire la station à Arafat. Est-ce que l'on comprend de ce hadith que celui qui fait la station à Arafat, c'est bon, il a fait son pèlerinage? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour montrer l'importance de la station à Arafat dans le pèlerinage. Et de même que dans ce hadith-là, il a dit l'invocation, c'est l'adoration, pour montrer l'importance de l'invocation, pour montrer sa grande importance. Donc le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation de le guider dans le droit chemin, le chemin qu'ont emprunté les prophètes, de même que les véridiques, les martyrs et les personnes pieuses, qui sont les gens de l'unicité, les gens du tawhid. De même que le serviteur demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'épargner, de suivre le chemin de ceux envers qui Allah subhanahu wa ta'ala est énervé et de ceux qui sont égarés. Car de ces personnes-là, de ce deuxième chemin qui est le chemin de ceux qui ont le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont égarés, il ne faut pas partie des gens du tawhid, il ne faut pas partie des gens de l'unicité, mais ce sont bien au contraire des gens qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres personnes. Wa amma suratul nas fa qawluhu qul a'udhu bi rabbin nas fihi ithbat anwa' at-tawhid ath-thalatha fa inna al-isti'adha billah fihi tawhid al-uluhiyyah. Et concernant sourate An-Nas, la dernière sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, dit: je demande la protection du Seigneur des gens. Il y a dans cela les trois sortes d'unicité. Car le fait de demander la protection fait partie de l'unicité de l'adoration. Wa bi rabbin nas, le Seigneur des gens, il y a dans cela l'unicité de la seigneurie, car Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des mondes et le Seigneur des gens, et également l'unicité des noms et attributs, car comme on l'a vu précédemment, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Rabb, et ici dans le verset c'est Rabbin nas. Wa qawluhu malikin nas fihi ithbat ar-rububiyyah wal asma' wa as-sifat. De même qu'ici dans Malikin nas, le Seigneur des mondes, des gens, il y a à la fois l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et des attributs. Wa ilahin nas, le Dieu des gens, il y a dans ce verset l'unicité de l'adoration. Ilahin nas, le Dieu, c'est-à-dire celui qui est adoré, donc il y a l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية. Et on peut dire sur ces trois sortes de tawhid, sur ces trois sortes d'adoration, que l'adoration ou que l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs oblige à croire en l'unicité de l'adoration. Et l'unicité de l'adoration englobe l'unicité de la seigneurie et des noms et attributs. Je sais que c'est un peu compliqué avec tous les... Mais bon, il faut s'accrocher et il faut essayer de comprendre. De toute façon, ceux qui n'ont pas compris, à la fin, ils pourront poser leurs questions. Donc l'unicité de l'adoration englobe l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs. وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْأُلُوهِيَّةِ
فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها لا يكون منكرا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. Et ceci, l'explication, c'est que celui qui atteste de l'unicité de l'adoration, et bien automatiquement, il atteste de l'unicité de la seigneurie et des noms et attributs. Car celui qui prend Allah subhanahu wa ta'ala comme seul adoré et se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et ne lui associe personne, cette personne-là, elle ne peut pas renier le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le pourvoyeur et celui qui donne la vie et la mort, de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. Contrairement à celui qui croit en l'unicité de la Seigneurie et qui croit en l'unicité des noms et attributs, ces deux croyances ne suffisent pas. Il doit croire obligatoirement à l'unicité de l'adoration. L'explication. وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية فلن يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. Une explication de ceci, pourquoi est-ce que le fait de croire en l'unicité de la Seigneurie et en l'unicité des noms et attributs ne suffit pas, et qu'il faut croire obligatoirement à l'unicité de l'adoration. Car, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les associateurs, les mouchriquins, envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ou vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils croyaient en l'unicité de la Seigneurie. Ils croyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le Créateur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui pourvoit les gens, celui qui gère le monde. Les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en tout ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, mais nous, on adore les statues parce qu'elles nous rapprochent d'Allah. On adore les statues parce que c'est l'intermédiaire entre nous et Allah. Mais si tu leur demandes, c'est qui le Seigneur des mondes, ils vont dire, c'est Allah. C'est qui celui qui donne la vie, c'est Allah. Qui donne la mort, c'est Allah. Les associateurs au temps du prophète, ils croyaient en tout ça. Mais ce qui les a fait sortir de l'islam, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Et le fait d'attester qu'Allah est le Seigneur des mondes, ça ne suffit pas pour être musulman. Ou d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les meilleurs, a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, ça ne suffit pas pour être musulman. Il faut obligatoirement attester et de croire en l'unicité de l'adoration. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les associateurs croyaient en l'unicité de la Seigneurie. Mais malgré cela, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il les a combattus. Il les a combattus jusqu'à ce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans ne lui associer personne. Et il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite l'unicité de la Seigneurie pour obliger les associateurs, les non-musulmans, à l'unicité de l'adoration. Parce que celui qui est le seul créateur,
celui qui est le seul à pouvoir donner la vie et la mort, celui qui est le seul à donner la pourvoyance à ses créatures, eh bien c'est lui le seul également qui doit être adoré. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Ça, c'est dans la logique des choses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, eh bien, c'est le seul qui doit être adoré. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc parmi les exemples de versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite l'unicité de la seigneurie et en déduit et oblige de suite après l'unicité de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté, vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas celui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc on voit dans ces versets-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples de choses qui sont propres à lui, d'actes qui ne sont propres qu'au Créateur unique. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque fois, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Après ce que je vous ai dit, y a-t-il donc quelqu'un d'autre qui mérite d'être adoré mieux que moi? Vous avez compris le sens? À chaque fois des versets, dans les versets qu'on a cités, Allah subhanahu wa ta'ala donne un acte, par exemple, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite des actes qui sont propres à lui, qui sont propres à lui et qui entrent dans le cadre de l'unicité de la seigneurie. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, y a-t-il une divinité autre qu'Allah? Après ce que je vous ai cité, est-ce qu'il y a encore une divinité autre que moi? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de chaque verset, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et il dit dans un autre verset, c'est rare que vous vous rappeliez, etc. ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله. والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده، لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله
يجب أن يخص بالعبادة وحده، وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله، كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله؟ وقد قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. Puis ensuite le Cheikh explique ces versets et dit que il y a dans ces versets là l'attestation de l'unicité de la Seigneurie, et qu'après cette atteste, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste de cette unicité, il oblige à croire en l'unicité de l'adoration. Et c'est pour cela qu'à la fin de chacun de ces cinq versets que nous avons cités, il dit « A'ilahum ma'Allah » « Il y a-t-il une autre divinité avec Allah ?» Puis le shir explique que celui qui est le seul à créer est le seul qui mérite d'être adoré. Et comment est-il raisonnable, comment est-il pensable qu'une créature qui auparavant était néant, qui auparavant n'était rien, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a rendu existant, comment est-ce qu'il est concevable que cette créature qui avant était néant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comment il est concevable que cette créature n'est qu'une partie de l'adoration, alors que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens des versets: ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous, sont des créatures comme vous. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans cette terre, dans cet univers, il y a soit une créature, ou soit le créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui est autre qu'Allah est une créature. Et toute créature n'existait pas avant. Toute créature était néant avant. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendu existant. Donc comment est-ce qu'il est concevable, comment est-ce qu'une personne peut adorer une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée? Comment est-il concevable d'adorer une vache? Comment est-il concevable d'adorer une pierre? Comment est-il concevable d'adorer un envoyé? Comment est-il concevable d'adorer un ange? Comment est-il concevable d'adorer un mort? Alors que ce sont toutes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont toutes des créatures qui auparavant n'existaient pas et qui ont existé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. والفائدة الثانية الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. Et la deuxième chose que l'on déduit du hadith, donc là on a terminé avec les trois sortes d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh continue en expliquant la deuxième chose que l'on doit retenir du hadith, qui est la croyance aux anges. La croyance aux anges, c'est-à-dire de croire que ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des créatures créées de lumière, comme ceci a été rapporté dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ont été créés de lumière, les anges ont été créés de lumière, et les djinns ont été créés de feu. وَهُمْ ذُو أَجْنِحَةٍ كَمَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ فَاطِرِ وَجِبْرِيلُ لَهُ 600 جَنَاحٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقدم قريبا وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. Et les anges sont dotés d'ailes, comme cela a été rapporté dans le premier verset de Sourate Al-Fatir, que l'on avait cité précédemment. Alhamdulillah, Fatir al-Samawati wal-Ard, Ja'il al-Malaikati rusulan, Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', Yazidu fil khalqi ma yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le premier verset de Sourate Fatir que les anges ont 2, 3 et 4 ailes. Et Jibril en a 600, comme cela a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith que l'on a déjà cité. Et ce sont des créatures dont personne ne connaît le nombre, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est Al-Bayt al-Ma'mour. C'est un endroit. On en avait parlé aussi dans, lorsqu'on avait parlé de Hadith al-Isra, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Al-Bayt al-Ma'mour, qui est dans le septième ciel. C'est un endroit où chaque jour y entre 70 000 anges et n'y retourne plus. Donc chaque jour il y a 70 000 anges, et ces 70 000 anges ne retourneront plus dans cet endroit-là. Donc à chaque jour, il y a 70 000 anges différents qui y entrent. Comme cela a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Muslim rapporte dans son Sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous, l'enfer sera amené le jour du jugement, et elle aura 70 000 liens, ou 70 000 cordes. Et avec chaque corde, 70 000 anges qui la tireront, ou qui le tireront, l'enfer. Donc le jour du jugement, on amènera l'enfer qui sera attaché avec 70 000 liens ou 70 000 cordes. Et sur chaque corde, il y aura 70 000 anges qui tireront l'enfer. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْهُمُ الْمُوَكَّلُونَ بِالْوَحِي وَالْمُوَكَّلُونَ بِالْمَطَرِ وَالْمُوَكَّلُونَ بِالْمَوْتِ والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بغير ذلك وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et les anges, il y en a parmi eux qui sont chargés de la révélation, comme Jibril عليه السلام. D'autres qui sont chargés de la pluie, d'autres de la mort, d'autres d'insuffler l'âme dans l'utérus de la femme, d'autres qui sont chargés du paradis, d'autres de l'enfer, et d'autres qui ont d'autres anges qui ont des tâches autres que celles que nous avons citées. وَكُلُّهُمْ مُسْتَسْلِمُونَ مُنْقَدُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ. Et tous sans exception sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses commandements. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne, et ils font ce qui leur a été ordonné. وَقَدْ سُمِيَ مِنْهُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافِيلُ وَمَالِكُ وَمُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من الأخبار عن الملائكة. Ceux qui ont été nommés dans le Coran et dans la Sunna sont Jibril, puis Mikaël, Israfil, Malik, Malik qui est le gardien de l'enfer, qui sont les deux anges qui poseront les questions à chacun d'entre nous dans leur tombe.
Et on peut, à titre de remarque, voir que le cheikh n'a pas cité Azraïl, que beaucoup croient que c'est le nom de l'ange de la mort. Et cela n'a aucune source, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Azraïl laysa isman min asma'i malak al-maut. لم يرد اسم عزرائيل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد